Je la connais celle-là? Non. Nous? On mange ça aujourd'hui? J'ai essayé de pas regarder. Ouais, ça. On va essayer. On va essayer. The fire with you. Ça, je l'aurais pas fait avec le R6M, tu vois. J'aime beaucoup ma MT. Ok, bah on se rejoint au Super U. Mais de toute façon, on peut rester en appel, hein. On peut rester en appel, j'ai appel illimité. J'ai appel illimité maintenant. Oui, bon, bah tout le monde a appel illimité depuis 39 ans à part moi, bon, ça va. Je vais essayer de faire 16 euros pile, là. Oh, j'ai mis 16 euros, hein, je suis vraiment une grosse merde. Bon alors j'ai bien réfléchi et je pense que c'est du morse. Bah oui, si on regarde bien, c'est un message codé. C'est deux signaux courts. Si je regarde sur internet, on trouve que ça veut dire ici. Donc je pense que ça veut dire ici, je me suis fait flasher. Non? Ah, j'avais pas vu ce flash. Ah bah j'avais pas vu le flash. Et heureusement que c'était un flash avant. Un abonné derrière. Moi je veux bien l'attendre, mais en même temps c'est gênant, moi je sais jamais quoi vous dire. Mais ça me dérange absolument pas, hein. Si vous me voyez, venez me parler, hein. Y a pas de soucis. Mais si je galère à parler À 24 ans. À 24 ans. C'est normal, ok. Je sais pas pourquoi il avance pas, c'est chiant. Ouais. T'as Clio de merde, hein, t'as Renault de merde. Tu me fais chier le cycliste, quoi. Je disais, avec ta Clio de merde, hein, tu fais chier tout le monde. Mais non, je peux plus clasher Renault maintenant. J'ai un pote qui travaille chez Renault. Alors après, je vais me faire victime, c'est chiant. Non, je déconne, c'est moi qui l'ai victime. Oh, be fine. Non, il a raison. Allez, tu doubles pas si tu vois que ça passe pas. Et j'ai pas posé le pied. Putain, sérieusement. Je suis passé, mec, il a fait ça. N'importe quoi. L'éducation de certains. L'éducation de certains est à revoir. Non, non. Putain, tu fais quoi? Regarde, ta m***. On voit quelque chose qu'on voit pas très souvent, que je vous ai jamais montré en vidéo. C'est un... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un sidecar. C'est quoi cette merde? Attendez, j'emprunte la piste, c'est calme. Ah mais ok. Désolé les sidecareurs de vous avoir insulté là. Ouais non, en fait, au pire, je m'en fous, vous devez être deux. C'est un truc handicapé, en fait, t'as deux scooters. T'as un scooter à gauche et un scooter à droite. C'est énorme. Bon, je vais doubler, je suis désolé par contre, mais Sérieusement, c'est pas un labyrinthe, votre truc, là. Putain, apprenez à conduire. Lui, on le voit, hein. Ça c'est sûr. Et dépêche-toi, putain. Les gens, ils sont pas payés au rendement ici, hein. Les méchants, la grosse moule. Putain, pollen de merde. Je rentre chez moi, je récupère mon nouveau casque que j'ai encore jamais essayé, et c'est parti pour un test. Quoi? Tout ça? Ah ouais. Ouais, décale-toi, décale-toi. C'est pas pour nous.
Oui, c'est Men in Black. Énorme, énorme. Non, il est pas en forme. Eh, il voit la vie en rose. Ça en va? C'est quoi ça? Oh non, c'est un truc de merde. T'es mal, le feu stop au milieu là du camion. Attendez, faut que je sois un peu plus près, mais je vais garder mes distances de sécurité quand même. Là, il va freiner parce qu'il y a un stop. Installer le passage. Non. Ouais, mince, trempi, désolé. Regardez, c'est genre clairement Illuminati là. Regardez le feu arrière au milieu de la porte du Renault. C'est pas marqué. Quand on commence à 8h, j'arrive jamais à arriver à l'heure. Regarde, y'a personne. Les gens, ils sont déjà en cours, tu sais. Moi, je pars, je me réveille, je suis prêt, je me dis, vas-y, j'ai le temps, je m'assois sur le canapé et tout, et je pars, je vois l'heure, je fais, bon, bah, je vais être en retard. Hein. Ah, mais... Cherche pas d'excuses, enfoiré. Je sais pas ce que c'est l'idée, mais c'est pas une bonne idée. Chut. T'inquiète, il n'aura rien. Beau gosse. J'avais un petit signe de tête, je lui ai montré le rétro, il m'a fait ah oui, t'as raison. Et il l'a remis électroniquement. Voilà. T'es sûr on peut pas descendre plus long? Ouais, on prend les escaliers. Eh, appelle-moi Sarah Lesito maintenant. A few moments later. Bon, apparemment mon setup n'a pas tenu. Les nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les rivières. Les clignots, toi, devant, ça... Non. Je critique beaucoup en ce moment, mais même les motos, en vrai. Et... Oh, mais je vous ai pas dit. Peut-être qu'il y en a qu'on a déjà remarqué. C'est bon, vous avez peut-être compris. Ouais, j'ai des nouveaux gants Denaze. Alors, la dernière fois, je connaissais pas la référence. Donc, je disais, bah, allez voir Denaze. Là, je sais, quand même. C'est les Force Stroke. Genre la partie métallique ici là. Oh, qu'est-ce que j'adore. Ça va grave bien avec la moto, le noir matin comme ça. Ouais. Par contre, ils sont encore vachement durs. Then we walk and then you got it. Sounds like it. Voilà, si on a qui arrive à reconnaître la référence. C'est connu. Mais c'est pas connu. Alors, si vraiment il y en a qui arrivent vraiment à trouver la référence, chapeau. Parce qu'en plus mon chant... C'est Jean-Michel à peu près. Pas mais... Bon, ils sont sur ces rétros. Parce que genre j'ai pas la place en fait. Donc je... Faut que je réfléchisse comment je les mets. En dessous? Pourquoi pas. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Sur ma moto, t'es sur ton vélo, hein. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il branle? Il fait exprès de mettre tous ses clignots comme il faut pas ou quoi? Il fait exprès, il est con. Un feu, ça pue le feu. Oh, ça pue le feu. Oh la vache. Oh, il a cramé le truc. C'est où?